Nommé Presley, un jeune garçon vient de découvrir par hasard qu'il avait été pharaon quand l'Égypte connaissait la gloire. Et que Scarab, l'ensorceleur, veut mettre fin à sa jeune vie. Mais Presley a quatre protecteurs qui le vénèrent et veillent sur lui. Les Turbomami, le garçon avant Jésus-Christ. Les Turbomami, défendra de cesse le prince élu. Les Turbomami, toujours présent, jamais battu. Les Turbomami, mieux vaut ne pas être leur ennemi. Les Turbomami, le garçon avant Jésus-Christ. Les Turbomami, protège le nouveau pharaon. Les Turbomami, plus rapide que le cyclotron. Les Turbomami, le passé revient aujourd'hui. Puissance infinie, les Turbomami. Parler de ce Rapsès, moi! Dommage! L'idée m'est venue en dormant. L'appareil refroidira le réservoir contenant l'énergie de Ra par la force de l'esprit du vent. Genre ventilateur. Ah, tu connais déjà. L'idée serait que j'arrive à combiner les mécaniques à l'état brut de ton monde et le savoir raffiné de l'Égypte. Libère-toi, énergie de Ra. Oh, oh, deux ou trois petits réglages et ça marchera tout seul. Ouais, tu l'as dit. Ah ah qu'est-ce qui se passe? Maintenant que le raster est au point, je vais pouvoir faire un tour. Ça me démangeait de l'essayer. À moins que ce soit les bandelettes. Bon, d'accord, mais attention de ne pas érafler la peinture. Montre, Rapsès, je te ramène chez toi. Dans le raster? Cool. J'y vais aussi. Mieux vaut être deux pour protéger notre prince. Parce que tu m'en crois incapable, hein? En Égypte, tu m'as laissé prendre Rapsès dans mon char, croyant que j'étais un homme. Douterais-tu de moi parce que tu sais que je suis une femme? Homme ou femme, ce n'est pas le problème. Tout est nouveau pour nous. On a beaucoup à apprendre tous les quatre. Mouais, comme les égards dus aux femmes. Jackal a beau dire ce qu'il veut, il me sous-estime parce que je ne suis pas un homme. Comment changer un état d'esprit vieux de 3500 ans? Il est resté comme momifié. Feu rouge! Hey! Encore une femme! Oh, oh. Merci pour tout. Ou presque. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de feu rouge? Depuis quand le char du pharaon devrait-il céder le passage? Ces barbares doivent apprendre à respecter leur roi. L'autobus scolaire n'est pas si mal que ça. Oh.
même sans ses chevaux blancs, je sais reconnaître le char royal du soleil. Le prince est à bord! À l'attaque! À toi! Dégagez! Un bande de débutants! Par la force de Ra! Ragba allait bouder dans son sarcophage. Ouah, jamais vu un pilote comme ça. Même au temps où j'étais vivant. Tu n'es pas un garçon. Déçu, peut-être. Tu pilotais si bien que j'aurais juré que tu étais une fille. Pas de doute sur toi. Tu es d'une beauté extraordinaire et tu sais te tenir en selle. J'ai de l'estime pour ça. Je regrette ce petit incident. Pas moi. On a une petite affaire à régler. Je saurai te retrouver. Ne me fais pas trop attendre. C'est là. J'y ose, hein? Chabi en marche. Je me lève toute fripée sans sommeil réparateur. Là, tu as tort. D'où il sort, ce beau mec? Pouvez-vous me le présenter? Toi, tu es Apep, le serpent du désert. Appelle-moi Pep sous cette forme. Au-delà de la porte de l'Occident, on te dit le plus puissant de ce royaume. Tu auras la vie sauve si tu me rends un service. Aide-moi à m'emparer du prince enfant, Rapsès. Peut-on savoir pourquoi tu veux t'en emparer? Parce que son grand-père m'a chassé dans le désert. Le père et le grand-père ne sont plus à ma portée, mais le fils, Rapsès, est encore en vie. Et j'ai l'intention de le faire souffrir. J'aime ta façon de voir les choses, mais elles ne sont plus les mêmes, comme lorsqu'on pouvait enfourcher un cheval, enlever le pharaon et le laisser attaché à un pieu au milieu du désert pour qu'il rôtisse au soleil. Ah, c'était le bon temps. À présent, il faut être moderne, te vendre comme un produit, être celui dont tout le monde parle. C'est la seule façon d'avoir Rapsès à portée de la main, sans ces momies qui se mêlent de tout. Du désert. Ouais, cool. Si tu es un garçon de plus de 11 ans, moins de 13, et si tu sens que déjà tu as l'âme d'un chef, tu es tout ce qu'il faut pour devenir prince du désert comme moi. La sélection des futurs princes aura lieu demain au parc Golden Gate à 15h. Sois là. Coupé. C'est dans la boîte. Démontez le décor pendant que je parle à notre star. Limite, j'ai d'autres choses à faire. Ne me déçois surtout pas demain. J'ai misé une petite fortune sur toi. C'est grâce à cela que tu es un phénomène médiatique. Pas de soucis, Scarab.
Demain sera le dernier jour de Rapsès sur Terre. Qu'êtes-vous en train de faire? Pet ne songe qu'à éliminer le prince. Mais pour bénéficier de l'immortalité, n'oubliez pas qu'il vous le faut vivant. Ne te fais aucune inquiétude, ma petite. Quand nous aurons trouvé Rapsès, je n'aurai plus besoin du dénommé Pep. Ce soir, à l'émission Ces illustres inconnus, on ne peut allumer une télé, feuilleter une revue ou chasser une mouche avec un journal sans le voir. Ça ne peut être nul autre que Pep. Je vous invite à parcourir les méandres de ce nouveau mythe qui fait chavirer les cœurs. Espèce de faucheton. Je te signale que je regardais. Oui, tu ne fais que ça toute la journée. Une vraie loque. Mais garde tes réflexions pour toi. Quelque chose ne va pas? Rack, est-ce que le raster est prêt? J'ai besoin de m'aérer. J'espère que tu plaisantes. Le raster reste ici. Tu n'as pas le droit de me le refuser. Nous devons être prêts à intervenir. Tu ne te fies pas à mon jugement, pas plus qu'à moi. Pourquoi le devrais-je? Eh bien, j'ai l'impression que certains privilèges se perdent. Croyez-moi, je n'ai jamais rencontré une femme comme elle. Quand on se sera débarrassé du prince... Épargne mes hommes, je te le demande. Ils ne te connaissent pas comme moi. J'aime ces entrées en scène fracassantes. Tu m'as dit que tu me retrouverais. Eh bien, voilà qui est fait. Viens rouler avec moi jusqu'au bout de la terre. C'est quand tu voudras. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi. Je veux que tu sois ma reine. Il faut que je te dise une chose. Moi aussi, je viens d'une époque révolue. Je suis déjà sous ton enchantement. C'est plus fort que tous les tours de magie. Je ne suis pas sur Terre par hasard. Nous sommes quatre dans le même cas. Quatre momies réanimées pour protéger la nouvelle incarnation. Du fils du pharaon. Rapsès? Non. Non, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu connais Rapsès? Non! Lâche-moi, sinon... Es-tu l'un des gardes assermentés de Rapsès? Réponds! Oh, pourquoi cette fatalité? Si tu gardes le prince, tu dois subir le même destin. Il n'est pas à l'école. Je sais pas comment il s'est sauvé. Nous devons aller à sa recherche. La sélection pour les princes du désert, c'est bien ici? Tu sais pas lire, à la queue, comme tout le monde. Vous voulez voir son numéro de claquette? Ernest fait l'heure des... si c'est ça, les princes du désert... Prince des imbéciles, tu seras privé de dessert. Ça va, j'arrive pas trop tard? Ah. Pour tout te dire, on t'attendait avec impatience. Je vois l'esprit de ton grand-père flotter au fond de tes yeux. Quoi? C'est lui qui m'a chassé d'Égypte. Rapsès! Personne ne touche au prince. Attaquez! Sauve-toi, vite! On verra un autre jour pour la sélection, mais merci quand même. Ciao, ciao!
Allô, Mommy? Pour me sauver, ne vous gênez surtout, surtout pas, à vous. Il y a un petit côté urgence, là. À vous! S'il te plaît, Scotty, tu peux me téléporter? Ça devient limite, là. Vilain toutou, elle allait coucher! Kia! Ouais, méga cool! Et un an, là... Ne maltraitez pas cette femme! Tu vas me donner le prince. Il doit payer pour ce que son grand-père m'a fait. Je regrette, il me le faut vivant. Par la force de Ra! Attrapez le gamin! Vous autres, clouez-les sur place! Bordel! Des monstres, Scarab! Pauvre idiot, ce ne sont pas les miens! Abrac! Rack! Il faut sauver le prince! J'arrive. Encore que c'est pas évident. Il va falloir rejoindre la porte de l'Occident. Aucune chance, gros cube. Les momies vont vous écraser comme des cafards. Stop! Tu as perdu, gardienne. Le puissant Apep ne devrait pas se contenter d'une vengeance trop facile sur un faible enfant. Qu'est-ce que toi, tu proposes? Que nous fassions la course, toi et moi. Si j'arrive la première à l'autre extrémité du pont, tu rends la liberté à Rapsès et tu retournes dans ton monde. Et si j'arrive premier? Tu disposes de l'enfant. Et de moi. Je resterai à jamais auprès de toi. J'accepte. Garde-le! Ne fais pas ça! Tu seras à moi, enchanteresse. On verra ça! Dégonflé. Sacrée fille, tout de même. Hé, hey, ça va pas? Il faut que je gagne coûte que coûte. Sauvé. Ah, j'ai fait la course pour te gagner, pas pour te perdre. Je n'avais pas le choix. De toute façon, tu m'aurais battu à la régulière. Non, n'y retourne pas.
vivant. Mais lâche-moi, espèce de vieux singe! Je te préviens que si tu... Ah, Rien de cassé, mon prince. T'occupe pas de moi. Nefertina fait la course sur le pont avec l'autre serpent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il semble que je n'ai pas été là quand tu en avais besoin. Grâce à toi, le jeune prince est sauf. Ça va aller? Il le faudra bien. Nommé Presley, un jeune garçon vient de découvrir par hasard qu'il avait été pharaon quand l'Égypte connaissait la gloire et que Scarab, l'ensorceleur, veut mettre fin à sa jeune vie. Mais Presley a quatre protecteurs qui le vénèrent et veillent sur lui. Les Turbomomies, le garçon avant Jésus-Christ. Les Turbomomies, défendre Ramsès le prince élu. Les Turbomomies, toujours présent, jamais battu. Les Turbomomies, mieux vaut ne pas être leur ennemi. Oh, oh, oh. Les Turbomomies, le garçon avant Jésus-Christ. Les Turbomomies, protège le nouveau pharaon. Les Turbomomies, plus rapide que le cyclotron. Les Turbomomies, le passé revient aujourd'hui. Puissance infinie, les Turbomomies.